Cette caverne de Platon, nous allons tenter d'en sortir pour explorer l'infini. Pour nous aider, j'ai choisi d'inviter un astrophysicien exceptionnel qui se fait discret dans les médias. Son nom est Morvan Sallez. Diplômé entre autres de l'université Pierre et Marie Curie, il a travaillé plusieurs années à la NASA, à Pasadena, ainsi qu'au CNRS, comme chargé de recherche section sciences de l'univers. Son champ d'expertise principal, l'astronomie térahertz, en particulier la chimie moléculaire dans le milieu interstellaire, et la technologie des supraconducteurs nécessaires à la construction des instruments pour ce type d'observation. Décoré par le prix Antoine Dabadie de l'Académie des sciences avec son collègue Jean-Michel Krieg, il a collaboré avec des chercheurs exceptionnels en physique et en astrophysique, travaillé au sein de nombreux laboratoires prestigieux, à Normalsup, à l'Observatoire de Marie-Meudon, au Centre d'études nucléaires de Saclay, au Jet Propulsion Laboratory, à l'École Polytechnique également. Il a aussi travaillé régulièrement avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Et puis, comme il aime à dire, il a aussi usé ses jeans, comme il dit, sur les bancs de Sup Aéro, où il s'est spécialisé en électronique aérospatiale. Il avait alors travaillé sur le projet hélas avorté de l'avion spatial européen Hermès. Aujourd'hui, il donne des conférences et travaille sur des projets de nature littéraire et artistique. Morvan, bonjour. Bonjour Audrey. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier entretien. Alors tu as un CV hyper brillant, on ne pourra pas tout détailler parce qu'il faudrait 2 heures. Mais voilà, tu as passé ton bac à 16 ans au lycée Henri IV. Ensuite, tu as hésité entre une carrière purement artistique et une carrière scientifique. C'est ça, tu as hésité entre l'IDEC, qui est la FEMIS actuelle. Oui, et puis le théâtre, enfin tout ça, plutôt une activité littéraire et puis une activité scientifique. C'était un gros dilemme. C'est ça. En plus, tu viens d'une famille où il y a des artistes, donc tu étais déjà né dedans. Quoi. Père peintre et comédien et pas de scientifique dans la famille, donc c'était un choix difficile. Et donc, alors la radioastronomie sublimétrique, c'est quoi? Eh bien, d'une certaine façon, c'est relié au thème que tu veux aborder là, dans ton émission, parce que l'astronomie a toujours été une pionnière dans les sciences à chercher à nous permettre de voir là où nos yeux ne voient pas. D'abord, des choses tellement loin qu'on ne les voit pas, donc on invente la lunette et le télescope pour voir des objets qui sont très distants, et puis aussi pour être capable de voir ce que nos yeux ne voient pas en termes de couleur. Parce que comme tu sais, le domaine visible, en termes de longueur d'onde, ce sont juste des longueurs d'onde d'une même onde électromagnétique. Ce qu'on voit, c'est extrêmement mince par rapport à l'étendue des longueurs d'onde possibles, donc des couleurs qui vont des ondes radio aux ondes gamma de très haute énergie, en passant par les rayons X, ultraviolets, tout ça. Et l'astronomie a toujours été une science qui a cherché à permettre à l'homme de voir plus loin et plus large, j'ai envie de dire. Et la radioastronomie sublimétrique est un des derniers domaines de l'astronomie où une fenêtre de longueur d'onde n'était pas visible, on n'avait pas les détecteurs pour ça, on n'avait pas les technologies, il a fallu les inventer, pour permettre de voir, on va dire, entre des longueurs d'onde qui font un peu moins d'un millimètre, jusqu'à quelques dizaines de microns. C'est de l'infrarouge lointain. Et dans cette fenêtre de longueur d'onde, il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Les molécules émettent leur longueur d'onde, leur rayonnement. Donc, à partir du moment où l'astronomie s'est dotée de ces moyens-là, avec des radiotélescopes et ce genre de détecteurs, on a pu voir qu'il y avait dans l'espace des tas de molécules organiques complexes, du méthanol, de l'acide chlorhydrique, toutes sortes de choses. C'est très intéressant aussi pour les gens qui essaient de voir si les briques de la vie, les molécules qui sont précurseurs des molécules biologiques, peuvent apparaître dans l'espace, dans les nuages interstellaires, par exemple. Donc c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre et c'est un domaine de l'astronomie aussi qui nécessitait d'utiliser des techniques spatiales, parce que depuis le sol, on ne peut pas voir. La vapeur d'eau de l'atmosphère nous empêche de le voir, donc il faut s'en affranchir en envoyant des ballons ou des fusées, des satellites. Et puis une technologie qui n'existait pas et qui nécessitait des composants quantiques pour pouvoir détecter ces molécules. Et toi, tu as participé à la construction de ces nouveaux outils, justement, pour explorer l'invisible. Et par exemple, à un satellite
un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Herschel, qui a été lancé en 2009, et qui a pour la première fois justement imagé et cartographié toutes sortes d'objets célestes, des galaxies, des nuages interstellaires. On a découvert qu'il y avait beaucoup de vapeur d'eau, par exemple, et d'autres molécules dans ces objets. C'est génial. Et la question que je voulais te poser, c'est d'où te vient cette passion pour les étoiles, pour l'invisible? Est-ce que c'est quelque chose que tu déjà qui te passionnait enfant? Ou est-ce que c'est une idée qui t'est venue sur le tard, cette idée d'être astrophysicien? Non, non, en fait, c'est venu très tôt. Il y a deux aspects. Mon grand intérêt pour la science est venu très tôt. Je crois à travers surtout la science-fiction. Mon père, Voilà, donc, c'est n'était pas ça. scientifique, mais était un littéraire. Hein, il faisait du théâtre, mais il adorait la science-fiction. Je me souviens quand j'étais petit, il aimait bien me lire des passages de bouquins. Quelles œuvres de science-fiction, par exemple, t'as Oh, marqué, que ce soit des des livres séries ou de. des films ou des romans? Plein. Oui, plein des livres de Brian Aldiss, de Sir John, de. Mais c'est surtout que il s'y intéressait et on avait des discussions sur l'astronomie, sur la physique. Enfin, c'était des choses qui l'intéressaient. Et il s'intéressait aussi à certains sujets. Il avait une ouverture par rapport à certains sujets concernant la parapsychologie ou des sujets de ce genre-là. Donc on avait des discussions et puis je pense aussi que j'avais une. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, scientifique. Mais je pense aussi que j'avais une intuition très forte, déjà enfant, que le monde est beaucoup plus que ce qu'on voit. Je m'intéressais de moi-même à certains de ces sujets-là. Donc la notion que, voilà, qui, au-delà même de ce que la science aujourd'hui a étudié et continue d'étudier, il y a encore beaucoup plus dans la réalité à essayer de concevoir et à appréhender pour donner du sens à nos existences. C'est ça. Et tu as un regard sur tout ça qui n'est pas seulement un regard de scientifique, hein, parce que tu es aussi artiste, tu es aussi écrivain. Cette sensibilité aux arts, elle te sert beaucoup dans tes intuitions, peut-être aussi en tant que scientifique, quelque part. Je pense que tout est lié. J'ai toujours été mal à l'aise dans les activités Dans ou les les métiers cases. où on nous met dans des compartiments parce que je pense que c'est pas fructueux, c'est pas fertile. On perd beaucoup à cloisonner les domaines. Déjà en science, c'est extrêmement cloisonné. Les gens sont dans leur spécialité, ont rarement l'opportunité ou le temps d'aller voir ce qui se passe à côté. Ça, C'est c'est ça. très très dommage. Et au Parce que. CNRS, c'est quelque chose qui te pesait, ça, hein, le Oui. côté être un petit Oui, peu. c'est une On te chose dont je demandait de souffrais faire des assez. choses très, très hyper spécialisées, alors que Oui, toi, tu. c'est une chose dont je souffrais un peu. Mais c'est quelque chose qui est propre à la société dans le moderne dans laquelle on C'est est. Hein, vrai. et on a besoin de gens extrêmement spécialistes. C'est important. Mais je pense qu'on a besoin, et particulièrement maintenant, on a besoin de trouver des nouvelles solutions sociétales, hein, Complètement, d'urgence. Je crois qu'on a besoin de décloisonner. On a besoin ouais. d'établir des passerelles Il faut entre qu'on les travaille choses et ensemble, ouais. dégager une vision C'est ça. d'ensemble C'est plus ça, holistique, hein, ouais. des choses. Donc. J'appelle ça la réflexion apatride, tu sais, c'est-à-dire voilà, aller au-delà des frontières de nos Oui, disciplines et ne comme à pas l'époque de la hésiter à. Renaissance, je pense C'est qu'on a ça. besoin d'une nouvelle forme de Renaissance, avec des Complètement. esprits qui sont des esprits de synthèse, encyclopédiques d'une certaine manière, parce que c'est en établissant des passerelles et des regards croisés qu'on fait émerger vraiment des idées nouvelles dont on a C'est cruellement ça. besoin aujourd'hui. On a du mal encore avec ça en France. Hein. On est très. Que ce soit dans le monde universitaire, on est encore vraiment. On marche vraiment par cloison, par discipline. Et dès qu'on sort des sentiers battus, ça passe pas forcément bien. Hein. Oui, alors il y a C'est plusieurs un choses. Je gros pense souci, qu'en ça. France, on a en plus une petite spécificité, en plus déjà du fait que ce soit une caractéristique du monde occidental, de la vie moderne. En France, on a ce cartésianisme, cette lecture particulière des idées de Descartes, hein, qui sont, selon moi, un peu une déviance d'ailleurs des vraies idées de Descartes, mais qui plaquent un certain type de regard sur le réel. Qui est un peu étroit à mon sens et qui justement nous empêche de voir, et ça rejoint les questions que tu poses, qui sont très importantes. Qu'est-ce que c'est que cet invisible dont C'est on ça. sent dans ses triples existences et qui pourrait C'est avoir ça. du sens, mais qu'on a tendance à ne pas vouloir regarder parce qu'on se met des œillères. Complètement. Oui, donc il est Des œillères vraiment qu'on temps pourrait très de. facilement ôter. Tout à fait. Ouais. On est en train de, quoi. C'est quelque chose qui est en voie. Et donc, cette idée qui circule et qui, comme quoi, on ne percevrait que 0,001% du réel. Toi, c'est quelque chose que tu trouves crédible d'un point de vue scientifique?
Je pense qu'on ne peut pas le quantifier. On peut pas le quantifier. Dire 70%, c'est peut-être même un infini hein, qu'il faut mettre dans l'équation. Je pense simplement que aussi bien du point de vue scientifique que d'un point de vue... Il y a beaucoup d'indices qui convergent vers l'idée que le réel est plus que ce qu'on voit, et plus que ce qu'on mesure, et plus que même ce que la science s'est donné les moyens jusqu'à présent d'explorer. Et ça, il y a plein de faisceaux d'indices dans des tas de domaines. Si on parle de cosmologie, on parle aujourd'hui de multivers, donc on voit que même la notion de cosmos est à revoir. Il y a des tas d'univers invisibles qui sont peut-être à tout jamais inaccessibles, mais qui ont quand même une influence dans ces modèles sur la réalité physique dans laquelle on est. La physique quantique nous dit quelque chose de très semblable. Elle nous dit, pour reprendre l'expression de Bernard d'Espagna, il y a un réel voilé auquel on n'a pas accès. Est-ce que la physique, depuis la physique quantique, ce que la physique nous donne à voir, c'est juste les phénomènes au sens kantien, c'est-à-dire ce que la physique, monde, ce que la nature nous donne à percevoir quand on l'interroge. Les réponses qu'elle donne à nos questions, rien d'autre. Donc il y a tout un tas de domaines dans les sciences où la notion de réalité déjà est en train de vaciller avec l'idée qu'il y a quelque chose dans les coulisses. Et que ce quelque chose est peut-être pas accessible à la science telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être que par d'autres biais, notamment par nos intuitions, par peut-être des états de conscience modifiés ou d'autres choses, on a peut-être accès à cette réalité beaucoup plus vaste. Et à ce titre, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le travail que tu effectues à l'IRIS, justement? Oui, donc IRIS, c'est une entreprise donc, qui est fondée par Alexis Champion. C'est ça. Qui est très intéressante parce que elle fait une activité de pédagogie, de formation, de recherche aussi, sur tout un tas de thèmes qui sont liés à l'intuition. C'est ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'intuition? On va en donner des tas de définitions. Certaines personnes pensent que l'intuition, c'est un raisonnement inconscient, très rapide, qui nous permet de donner des réponses à des problématiques sans qu'on sache très bien d'où ça sort, mais qu'en fait, c'est analytique. C'est notre pensée, notre cerveau qui fonctionne très, très vite. Il y a une définition plus large de l'intuition qui est plus intéressante, qui colle mieux à la réalité. C'est qu'en fait, l'être humain a des capacités à percevoir sans passer par les sens physiques, de manière instantanée, totale et non locale, on va dire. C'est-à-dire que dans ce mode de perception, et c'est très réel, hein, tout le monde a cette faculté, et puis ça se développe, ça s'apprend, on peut avoir accès à des informations concernant des faits du passé, des choses qui sont très loin de soi, donc nos sens physiques n'y ont pas accès. Il n'y a même pas de lien causal, en fait, permettant à notre cerveau d'avoir accès à ces informations. Mais ça marche. Mais alors, justement, pour les personnes qui sont peut-être novices dans toutes ces notions d'informations, etc. Donc, l'intuition, ce serait un outil qui me permettrait de me connecter à des informations qui sont invisibles. Mais alors, peut-être qu'il faut qu'on définisse... Oui, entre autres. Peut-être qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que la notion d'information et ce que c'est que la notion aussi de champ d'information. Parce que ces informations, elles sont où? Elles sont dans une dimension qu'on ne voit pas. Donc c'est ce qu'on appelle les champs d'information. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est un vaste sujet, théorie des champs. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant avec le processus intuitif, c'est qu'on voit qu'on a accès aussi bien à des faits réels, des événements ou des lieux. Ça a été développé dans les années 70 aux États-Unis par des chercheurs de Stanford et par un artiste qui s'appelle Ingo Swann. Ça a été développé donc dans un contexte où l'armée américaine et une des techniques en tout cas, je parle du remote viewing qui est enseignée à... Oui, c'est-à-dire que maintenant on apprend à ça en fait, on apprend à se connecter à ces champs invisibles. Iris enseigne ces techniques et l'utilise en consulting pour toutes sortes d'approches, pour des gens qui ont besoin d'avoir des réponses par le biais intuitif à des problématiques qui sont très variées. Cette technique a été développée donc aux États-Unis, permettait notamment de savoir ce qui se passait dans le monde adverse. C'était en pleine guerre froide. Donc on a accès à des choses très réelles, des lieux, des événements, des choses qui se passent loin de soi, se sont passées dans le passé, voire dans un futur. Alors, futur écrit ou probable, d'ailleurs c'est une question très intéressante, mais il peut avoir des accès à des informations, à des faits
qui correspondent au futur. Mais c'est incroyable de se dire, excuse-moi de t'interrompre, que dans les années 70, etc., il y a eu des officiers de l'armée qui étaient dans une salle et qui ont imaginé ce qui se passait sur un front qui pouvait avoir lieu 5000 km plus loin. C'est quelque chose. Aujourd'hui, la plupart des gens, si tu exposes cette idée, ils pensent que c'est de la science-fiction. Alors que c'est bel et bien arrivé et tu es bien placé pour le savoir parce que tu as travaillé à la NASA, etc. Tout le monde a, on a chacun. C'est une faculté humaine. Oui, on a tous cette faculté. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas qu'une faculté humaine. Il est très possible que les animaux, peut-être même les plantes. C'est sûr. Parce que c'est encore un autre sujet, mais notre regard sur la biosphère est en train de changer. L'être humain n'est pas le seul à avoir accès à des informations de cette manière-là. Oui, puis on a des exemples de, tu sais, quand des tsunamis arrivent ou des catastrophes naturelles, où on s'aperçoit que, par exemple, des animaux sont partis, ont déserté une forêt un jour avant que le tsunami arrive, oui, comme s'ils l'avaient senti. On comprendra mieux comment fonctionne cette capacité à percevoir des choses de son environnement de façon non locale. Il y a peut-être beaucoup de choses en biologie qu'on comprendra mieux. Ouais. Mais toujours est-il que dans le cas humain, c'est vraiment une démarche qui fait fonctionner aussi bien la partie analytique de l'intellect que cette capacité à accueillir de l'information. Alors tu poses la question, qu'est-ce que c'est que cette information? Oui. Ça n'est pas que des informations sur le réel physique, c'est-à-dire des événements passés ou existants, mais par l'intuition, on peut avoir accès à des choses beaucoup plus abstraites, des concepts, des idées. Bah, tous les grands scientifiques, les grands découvreurs, mathématiciens, physiciens ou autres, quand ils se confient un petit peu sur leur processus créatif, même dans des activités très rationnelles comme les mathématiques, disent qu'à un moment donné, Poincaré en donnait un exemple, ils ont eu une sorte de flash, de révélation, ils ont su qu'ils avaient compris quelque chose avant même d'être capables de savoir comment ils allaient le démontrer. C'est ça. Cette partie analytique, elle vient dans un deuxième temps. Poincaré disait, c'est avec l'intuition qu'on trouve, c'est avec la logique qu'on prouve. Einstein et beaucoup d'autres gens disaient le même genre de choses. Complètement. Privilégier le processus intuitif pour découvrir des idées nouvelles. Est-ce qu'on les découvre? Est-ce qu'on invente vraiment ou est-ce qu'on ne fait que découvrir des choses qui existent à l'état potentiel, soit des lois de la nature, soit des concepts? Et là, on rejoint une idée très platonique, très platonicienne. C'est l'idée que, et beaucoup de physiciens adhèrent de plus en plus à ça. Des gens comme Roger Penrose, tout ça. Qui était l'un des grands théoriciens, justement, du champ. Qui a participé à la théorie des champs avec Sheldrake et tout ça. Tous ces gens-là racontent un peu la même chose. Il y a un certain nombre de physiciens qui sont souvent, s'intéressent beaucoup à la cosmologie, et essayent de comprendre d'où vient notre univers, en fait, en remontant, le plus en amont possible. D'où vient cet univers? Quel est son sens? S'interroge forcément sur les lois de la nature, la loi de la gravitation de Newton, E égale mc2, toutes ces lois, pourquoi elles sont comme elles sont et pas autrement? Et dans cette réflexion sur les raisons pour lesquelles l'univers est tel qu'il est, il y a vraiment cette idée que le physicien ne fait que redécouvrir donc des choses qui existent, mais le mathématicien, lorsqu'il a l'idée d'un théorème qui après coup s'avère utile pour décrire les lois de la nature, où vont-ils chercher ces idées? Et il y a cette idée très qu'on trouve chez Platon et Aristote, l'idée des idées et des formes, que c'est comme si ces choses-là existaient dans un univers qui n'est pas l'univers physique, mais qui est peut-être son blueprint, qui est peut-être son réservoir de potentialité. Aussi bien peut-être la matière dans cet univers physique émerge de ça que les idées que l'être humain manipule, ce qu'il invente, ce qu'il découvre, en fait, l'être humain va peut-être le puiser dans ce réservoir d'idées qui... C'est ce fameux réservoir. Et la formidable efficacité des mathématiques, on pourrait penser que les mathématiques sont une invention de l'homme, mais en fait, ça décrit tellement bien justement la nature qu'on se demande si la vraie nature de l'univers n'est pas mathématique. Purement mathématique, ouais. Donc cette idée, elle est reprise par beaucoup de gens en ce moment, l'idée qu'il y ait une forme de réalité qui est totalement abstraite, totalement immatérielle, mais qui est en lien avec notre réalité physique, et qui est en lien avec la conscience. Qui pourrait participer de la création même de notre réalité, comme s'il y avait des interactions entre la matière, là, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Donc largeur, hauteur, la quatrième dimension, c'est le temps. Oui, donc il y aurait des interactions perpétuelles entre cet invisible et cette
et ce qui est tangible. Et peut-être que ça se nourrit finalement l'un l'autre. Ça, c'est des grandes questions. Il y a des théoriciens qui de plus en plus font revivre en fait, cette idée de la caverne de Platon. Hein, c'est ça. Une forme de réalité. Abstraite, ouais. Parce qu'on trouve ces mêmes idées chez David Bohm, et qu'il est d'un ordre implicite qui se déploie un peu comme un hologramme dans notre réalité physique à quatre dimensions, mais que la source de ça ne se trouve pas dans l'espace de quatre dimensions. C'est comme une projection en fait, de quelque chose d'autre qui est invisible, qui est abstrait, mais qui contient l'information. Donc si je comprends bien, par rapport à la métaphore de la caverne de Platon, quand on dit qu'on regarde les ombres danser sur les murs, donc ça c'est la 4D, c'est la matière. C'est notre environnement. C'est notre environnement. Là où nous sommes en ce moment, voilà, c'est parler. Ça. Et sortir de la caverne de Platon, donc prendre la sortie, c'est justement aller vers ce réservoir qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui est un champ des possibles, et qui est peut-être la source en fait. Voilà, c'est ça qui me fascine complètement. Et semble-t-il, par l'intuition, enfin par les capacités de la conscience, on peut se relier à ça. Et alors, donc pour entrer un peu de façon un peu plus précise sur le champ de l'invisible, donc la matière noire, elle nous est invisible. Alors justement, oui, c'est intéressant parce que quand on parle de l'invisible, on peut mettre, bon c'est un terme... Beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup de choses dedans. On peut mettre beaucoup de choses. Personnellement, je vois deux types d'invisibles, peut-être plus que ça, mais je vois deux types d'invisibles dans la façon dont on aborde philosophiquement la réalité. On peut tout à fait parler d'invisible si on est matérialiste. C'est-à-dire si on pense que la totalité de l'univers et de la réalité se limite à la matière. En gros, l'univers... voire les multivers, sont un espace-temps dans lequel des événements se déroulent, dans lequel se trouve la matière qui vit sa vie. Et le reste, la conscience, les émotions, nos rêves, tout ça, c'est illusoire. La vision matérialiste... C'est illusoire, donc tu veux dire, ça fait par exemple la conscience, c'est... Je ne sais plus qui disait que... En fait, notre conscience, c'est juste de l'électricité dans le cerveau. C'est-à-dire que ça fait partie de notre corps. La conscience n'existe pas en dehors du corps. Elle est à l'intérieur de notre... Dans la vision... C'est nos neurones. Ça, c'est la vision matérialiste. Dans la vision matérialiste, on est d'accord. Qui a été bien ancrée dans le paradigme actuel et qui a encore beaucoup cours chez les neurologues, notamment, mais pas seulement chez les physiciens. La seule réalité, c'est la matière. C'est les phénomènes que peut sonder la physique avec ses instruments de mesure. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qui est tangible. Et la pensée, la conscience et toute notre vie intérieure, notre réalité intérieure, ça n'est qu'un effet collatéral. On appelle ça un épiphénomène, quelque chose qui a émergé mais qui n'est pas vraiment réel. Donc quand le cerveau meurt, enfin, boum, la conscience disparaît, il n'y a rien d'autre. La réalité s'arrête là. Et puis on peut ne pas être matérialiste. On peut penser que cette réalité intérieure subjective, elle est très réelle, elle est peut-être même fondamentale et peut-être même qu'elle prime sur les choses qu'on perçoit. On peut avoir deux visions philosophiques du monde. Et puis il y a toutes les nuances possibles entre ces deux positionnements. Mais ce que je veux dire, c'est que l'invisible trouve sa place dans les deux positionnements. Parce qu'on peut être matérialiste et dire, justement, comme tu disais tout à l'heure, on ne voit pas tout en termes de longueur d'onde. Donc déjà, c'est un fait. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est un fait que nous ne percevons cheveu de l'univers. Voilà, si on considère que la réalité, c'est ce qu'on perçoit, on perçoit avec nos sens. Nos sens physiques sont très limités. C'est ça. Il y a des animaux qui voient dans l'infrarouge, nous on ne peut pas. Et puis on peut imaginer que d'autres êtres soient capables de percevoir des tas de choses, des tas d'aspects du réel que nous... Donc si nos sens physiques sont limités, l'invisible existe forcément. C'est déjà tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui sort de notre capacité d'éclairer le réel. Tout ce qui échappe à nos yeux de chair. Exactement. Et toutes les théories sur les multivers sont de cette nature-là. Hein, c'est-à-dire que on peut effectivement imaginer que non seulement il y a un horizon cosmologique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout l'univers, déjà c'est invisible, on ne sait pas si l'univers est infini ou fini. Mais en plus, maintenant, il y a toutes ces théories de l'univers où il peut y avoir des infinités d'univers. Donc l'invisible, ici, se décline en termes matérialistes. Mais c'est factuel. C'est déjà une reconnaissance humble du fait que notre perception du réel est très 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 limitée. Et puis, si on n'est pas matérialiste, on peut se dire, mais aussi l'invisible, c'est tout ce que je ne vois pas, ce sont mes pensées, mes émotions, toute cette dimension de la réalité qui ne se met pas en équation, mais qui pourtant, pour moi, est bien réelle. Parce que je pense, on échange,
Il y a toute cette vie intérieure qui est très, très mal comprise, qui n'a pas été étudiée par la science tellement. Elle étudie le cerveau, mais elle a très peu étudié cette réalité intérieure qui est à la fois subjective, multiple et une à la fois. Et c'est peut-être l'avenir de la science, hein. Ça c'est une spéculation de ma part, mais je pense que l'avenir de la science, c'est de dire, bon, il n'y a pas que cette réalité matérielle physique, il y a toute cette réalité intérieure qu'on a mise sous cloche à cause d'un biais philosophique, et maintenant ça suffit, il faut... Les et grands ça temps de change passer à tout, autre ça chose. change tout. Parce que du coup, on ne construit pas la même société, non Ah plus. non, ça n'a rien à voir de passer du je crois que ce que je Voilà. vois à C'est pas le peut-être je même, crée ce que je et c'est pas le crois même ou projet de civilisation. Il y a beaucoup de choses qui changent. complètement. Je pense que la conception matérialiste, elle est en train de s'essouffler, elle est en train de rencontrer ses limites, d'autant plus elle a contaminé absolument toutes les sphères de notre société, puisque il y a le matérialisme capitaliste, il y a le matérialisme neurologique, le neuroréductionnisme. Enfin, je crois qu'il est vraiment grand temps de sortir de cette prison, quoi. C'est vraiment une prison. Disons que, tel que je vois les choses, elle a joué son rôle. Ça a été C'était une important. étape. D'ailleurs, on voit bien, Voilà. si on a aujourd'hui le monde de technologie qu'on a aujourd'hui, c'est que jusqu'à un certain point, ça a été utile et ça a marché. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça nous a permis aussi d'avoir une exploration de la réalité avec une finesse. Et quand on voit la précision sur les choses qu'on sait du réel à travers la physique, la précision. La finesse, c'est énorme. Donc, c'est pas faux. Mais ça n'était qu'une façon C'est ça. d'explorer le réel. Les Et grands temps passaient à autre on a chose. omis. Et le tort, c'était de dire, il n'y a que ça. Et là, on est en train, effectivement, de se rendre compte que beaucoup de faits de notre vie, par exemple de tous les jours, ne sont pas explicables uniquement avec ça. Donc, il est juste temps de retirer un peu les œillères et de voir qu'il y a d'autres choses à explorer maintenant. Complètement. Alors, parmi ces choses, bon, déjà, sur la matière noire, est-ce que tu avais envie d'en parler un petit peu Oui, parce que la matière noire, c'est une ou autre forme c'est d'invisible ça? aussi. Alors, l'idée est apparue en 1933. C'est un astronome qui s'appelle Fred Zwicky, qui est un astronome qui a fait un grand catalogue de galaxies importants et qui, en étudiant, c'était au début où les grands télescopes permettaient de. On venait tout juste de comprendre depuis pas longtemps qu'il y avait plein de galaxies, des milliards de galaxies, pas juste la nôtre, qu'elles étaient dans un univers en expansion et on commençait à étudier leurs mouvements. Et en étudiant les galaxies de l'amas de Coma, parce que les galaxies sont regroupées dans des sortes des amas, des sortes de grumeaux, hein, qui rassemblent un grand nombre de galaxies, dans l'amas de Coma, les mouvements permettaient de voir qu'il y avait beaucoup plus de matière que ce qui était visible. C'est-à-dire que la masse qu'on pouvait estimer à partir de la vision des étoiles, c'était 400 fois moins que la masse déduite des mouvements. Donc Fred Zwicky a commencé à poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une masse qu'on ne voit pas? C'est ça. Et d'ailleurs, dans les années assez récemment, et déjà dans les années 90, certains satellites qui permettaient, notamment Rosat, qui est un satellite européen, a permis de voir, encore une fois, des choses invisibles, c'est-à-dire une matière qui n'émet pas de lumière visible, mais qui émet dans des très hautes énergies, dans les rayons gamma, rayons X. On pouvait voir qu'il y avait un gaz très chaud qui avait échappé aux observations et qui représentait une grande partie enfin plusieurs fois la masse estimée à partir de la vision de ces galaxies. Donc il y a effectivement beaucoup de matière qu'on ne voit pas. Mais et puis il y a aussi Vera Rubin qui, dans les années 70, une des seules astronomes à l'époque qui observait que la rotation des galaxies, la façon dont les étoiles tournent dans la galaxie en fonction de leur distance au centre, ne correspondait pas au modèle. Le seul moyen d'expliquer ça, c'était qu'il y avait un halo de matière invisible qui échappait à notre vision. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que supposer qu'il y a du gaz froid qu'on ne voit pas ou du gaz chaud qu'on ne voit pas, ça ne suffit pas. Donc beaucoup de physiciens soupçonne qu'il y ait Qu'il y a autre des chose. particules, soit des particules très rapides et légères de type neutrinos, soit des particules très massives de type monopôle, qu'on n'a pas encore détectées, qu'on voit, mais que la physique standard, le modèle standard des particules
enfin, prédit aussi, et peut-être ça correspondrait à cette masse D'accord. manquante, mais on n'en Donc ce sait rien du serait tout. OK. Oui, donc ça reste quand même un mystère, cette matière noire. Ah oui, alors oui, Parce qu'il quand y a même, oui. des, il y a des, il y a plein d'hypothèses assez incroyables hein, qui circulent sur cette fameuse matière noire. Et notamment, je ne sais pas si tu connais le professeur Amrani Jouteh, qui est médecin, neurologue, et qui, il n'y a pas que lui qui en parle, mais en fait, il exprime l'hypothèse suivante, que nous aurions dans le cerveau des neurones en forme d'étoiles qui s'appellent les astrocytes. Je ne sais pas si tu en as entendu Non, parler. je n'avais pas entendu. Et alors, ce qu'il suppose, c'est que grâce à ces astrocytes, en fait, nous pourrions nous connecter justement à la matière noire. Donc, ce qui sous-entendrait que peut-être cette matière noire, encore une fois, ce serait un champ d'information justement qui nous permettrait voilà, peut-être de construire notre réalité via nos neurones en nous connectant à. Alors, il y a une idée qui est très à la mode. Dont il faut un peu se méfier parce qu'elle n'est pas, Tout ça, elle c'est est pas des été, hypothèses. ce sont que des Ouais, hypothèses, ouais, ce ne sont pas ouais. des théories d'abord difficilement Parce que j'ai aussi lu des choses assez falsifiables sans. hallucinantes, Oui. comme quoi nous créerions la matière noire avec nos rêves. Donc, comme si c'était nous, en fait, qui étions à l'origine de la matière noire. Et ce qui rejoint cette vaste question qui est, est-ce que nous créerons, enfin, est-ce que nous créons des mondes avec nos pensées? Alors, il y Ça, a. c'est. La question de la matière noire, elle est scientifiquement posée, elle est falsifiable au sens d'une théorie physique. Le philosophe des sciences Karl Popper a, entre autres, défini ce qui définit une théorie scientifique. Et une théorie scientifique, au sens qu'elle a du sens, c'est qu'elle puisse être validée ou infirmée. Une spéculation, aussi intéressante soit-elle, s'il n'y a aucun moyen de la prouver, par une observation ou par une expérience, C'est ça le problème. ça n'a pas de sens scientifique. Et toute théorie scientifique doit pouvoir se prêter à cet examen, hein, la preuve par les faits. Donc on entend Ah, c'est beaucoup ça. de théories. Certaines, à mon avis, doivent correspondre à des intuitions, pas forcément bien formulées, mais des intuitions. Il y a des idées un peu archétypales dans tout ça. Hein. Complètement. Le fait que Ouais. l'esprit puisse se mettre en lien avec. Quelque chose d'invisible. Tu parles de matière noire, il y a des gens qui parlent aussi du rôle que pourrait jouer le vide quantique, toutes sortes de choses. Ça fait partie de tout un panel d'hypothèses qui nous disent que de toute façon, on a soif, inconsciemment et collectivement, de comprendre que la conscience prend son origine ailleurs que dans la C'est matière et ça. qu'elle peut se relier à autre chose. C'est Et ça. ce n'est pas forcément à la matière noire ni au vide quantique, hein, qui sont des choses par contre très. Établi. Hein, le vide quantique, il est mesuré dans des expériences. Hein. Les expériences de Casimir montrent que le vide quantique Alors, existe. peut-être le vide quantique, dire deux mots sur ce que c'est vraiment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion. Certains pensent que le vide quantique, c'est l'univers en lui-même, que c'est tout ce qu'on ne voit pas, en fait, alors que c'est quelque chose de peut-être plus restreint. Le vide quantique, Bah, le vide quantique vient d'une idée qui. Ça découle c'est un du. concept, en fait. C'est plus C'est qu'un un modèle. non, c'est plus qu'un concept. Pour le coup, c'est une théorie qui a pu être vérifiée expérimentalement et qui a beaucoup de conséquences aussi bien en cosmologie que dans différents aspects de la physique. Ça découle. C'est une conséquence de la physique quantique qui s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg, qui en gros nous dit que en physique quantique, un système qui oscille. La physique quantique est faite de choses qui sont comme des ondes, qui se comportent comme des ondes ou des choses qui oscillent, qui vibrent, comme que ce soit des particules, des ondes. C'est une description essentiellement ondulatoire, j'ai envie de dire musicale presque. Et en musique, une corde de guitare, on peut l'arrêter, on peut l'immobiliser. En physique quantique, l'équivalent ne peut pas s'arrêter, ça vibrera toujours un peu. Si on a un pendule qui bouge, on peut le mettre à l'arrêt. En physique quantique, il va toujours continuer d'osciller. Il y a une quantité d'énergie résiduelle en dessous duquel on ne pourra jamais descendre. Donc du seul fait que l'univers soit plein à l'état potentiel de champs électromagnétiques, de champs de gravitation, de champs de force qui correspondent aux forces fortes ou faibles, enfin les différentes forces qui ont été identifiées par la physique, ces champs ne peuvent jamais valoir zéro. Il y a toujours cette vibration résiduelle.
Oui, ça me fait penser à, y a cette citation de Wheeler que j'aime beaucoup, quand il dit « Aucun point n'est plus important que celui-ci, le vide n'est pas vide, il est le siège de la physique la plus violente. » Oui, Wheeler a joué un rôle C'est énorme. important, John Wheeler est un physicien qui a joué un rôle important dans la notion du vide quantique, parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait à la fois à la relativité générale, c'est-à-dire à la compréhension de l'univers à grande échelle, et la gravitation, et à la physique quantique. Et c'est en regardant la jonction entre ces deux domaines, ce qui intervient au cœur des trous noirs, par exemple, ou ce qui intervient aux premiers instants de l'univers, à l'époque du Big Bang et peu après, on est obligé d'essayer de comprendre comment, ensemble, fonctionne la relativité générale et la physique quantique. C'est toujours un problème. C'est on n'arrive pas à réconcilier les deux. Et qui pose des questions philosophiques intéressantes, d'ailleurs, le fait qu'on ait du mal à les réconcilier. Complètement. Mais depuis Einstein, on essaye de réconcilier les deux. Et dans certains objets où on essaie de réconcilier les deux, le vide quantique joue un rôle important. Et le terme de Wheeler, Wheeler était très fort pour inventer des termes qui sont devenus célèbres. Trou noir, trou de ver, tout ça, ça vient de lui. Et l'écume quantique. Ah, ça, je ne connaissais pas. La mousse quantique. Oui, la mousse. Quantum foam. Oui, oui. C'est vraiment l'idée que si on regarde l'espace-temps de loin, comme on survolerait l'océan en avion, ça paraît calme, lisse, plat. Mais si on est au niveau de l'océan, il y a peut-être une tempête avec des creux de 20 mètres, des tourbillons, de l'écume. Et en fait, l'espace-temps, quand on zoome dessus, c'est ça. Et c'est lié à l'existence du vide quantique. Et une autre façon de le voir, c'est que des particules naissent et disparaissent pendant un temps très bref. Il y a une sorte de bouillonnement incessant de particules qui sortent de la potentialité, deviennent réelles et pendant un temps très court et retournent à la potentialité. Donc c'est une sorte de bouillonnement à la lisière entre ce qui pourrait être, mais n'est pas encore, et ce qui commence à exister. Mais notre univers et notre réalité tangible a jailli de ça. C'est ça qui est fascinant, c'est de se dire que donc, dans cet invisible, dans ce vide quantique dont tu parles, il y a, et je crois que tu le dis d'ailleurs dans l'un de tes articles ou de tes ouvrages, l'infinité des possibles, en dehors de notre expérience, donc la 4D, l'infini des possibles existe, l'infinité des expériences existe. Comme si ce dont tu parles, là, ces petites choses qui vibrent, mais qui doivent être arrachées, enfin, qui jaillissent seulement par instant de ce fameux vide pour devenir réalité, c'est fascinant de se dire que tous les possibles existent, en fait, dans cet infini, et que donc, je peux peut-être, alors justement, peut-être via l'intuition ou via d'autres outils, je peux peut-être matérialiser des possibles dans ce vide. Et du coup, ça fait appel à plein de théories, tu sais, la loi d'attraction, par exemple, dans New Age, qui dit que par certains procédés, tu peux matérialiser quelque chose qui existe en puissance et en faire... Alors après, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, oui, effectivement. Il y a deux idées importantes en physique quantique qui n'existaient pas en physique classique. La première, c'est que le vide quantique fait appel à cette notion-là. La matière à un niveau intime, ce qui nous paraît tangible et ici, maintenant. La 4D donc. La 4D, quand tu l'appelles, dans un régime quantique qui ne nous est pas directement accessible, reste un état virtuel. Pas totalement incarné, on va dire. Et cet état virtuel est très intéressant parce que ça lui permet à la nature, à la matière, d'être un peu boulimique de ce qu'elle pourrait faire. Quand tu parles des superpositions des possibles, elle n'aime pas choisir. Un peu comme si moi je suis au restaurant, j'ai une carte. D'ailleurs, c'est vrai, hein, j'ai tendance à être un peu quantique sur ce plan-là. J'ai envie de tu veux manger tout. Toutes les pizzas, s'il te plaît. Sauf qu'on est dans un monde, il faut choisir la pizza. Et à un moment donné, il faut, comme on dit en physique, réduire le paquet d'ondes, c'est-à-dire dire voilà, c'est celle-là et pas une autre. À partir du moment où j'ai ma pizza dans l'assiette, les autres, j'oublie. Réduire le paquet d'ondes. Alors, est-ce que c'est la décohérence quantique ou c'est autre chose? C'est lié. C'est lié, d'accord, bon, on en reparlera peut-être. On va en reparler après. Ouais, ouais. Disons qu'il y a un moment donné où, en physique, quand on fait une mesure sur un système, c'est comme quand on choisit la pizza. On interroge le système et on l'oblige à choisir. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, dans son mode très intime, et qui ne nous appara- encore une fois, qui ne nous apparaît pas directement, parce que dès que nous, on cherche à voir, à mesurer, on force le système à choisir. C'est ce qu'on appelle l'impact de l'observateur sur l'expérience. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. C'est ça. Est-ce qu'il faut un observateur pour ça ou est-ce qu'il n'y a pas besoin?
Mais dans ce monde quantique un peu virtuel, la nature peut manger toutes les pizzas qu'elle veut, toutes les pizzas disponibles. Donc tous les chemins possibles. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du gloubi-boulga non plus. C'est vraiment, il y a un certain nombre de pizzas possibles, il y a un certain nombre de chemins possibles. Avec Richard Feynman, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle idée. Richard Feynman est un grand physicien qui a apporté une nouvelle idée du même ordre, mais qui va encore plus loin. C'est qu'il n'y a pas seulement les états possibles de la matière qui peuvent être superposés dans cet état un peu virtuel quantique, mais même les chemins possibles pour aller d'un état A à un état B. Nous, quand on veut aller d'un point A à un point B, on choisit un chemin et un seul. Hein, si tu veux sortir du studio, aller à la porte, tu vas choisir un chemin, mais tu ne vas pas prendre tous les chemins possibles. La boule de pétanque qu'on lance, c'est pareil. La physique quantique, la physique classique savait calculer le chemin optimum avec, par exemple, le principe de moindre action ou des équations qui disent il y a ce chemin. C'est non seulement plus probable, mais c'est ce que va faire la boule de pétanque. Elle ne va pas partir de l'autre côté pour revenir pour faire un détour. Elle choisit en fait ce qui minimise son énergie et son effort. Et nous, les humains, c'est ce qu'on va faire. Je pense que si tu Philosophie du sors moindre du studio, effort. tu vas choisir le moindre effort, enfin, je pense. Mais en physique quantique, non. Si on calcule que la boule de pétanque peut effectivement, de façon probable, suivre ce chemin, mais avec une probabilité moindre, faire d'autres itinéraires, suivre d'autres itinéraires, elle va tout faire à la fois dans cet état virtuel. Et comme on est dans un raisonnement où on travaille en physique quantique avec des choses qui sont très ondulatoires, c'est un peu comme des ondes, chacun de ces chemins. Et les ondes, tu sais qu'elles peuvent interférer, elles peuvent se soustraire ou s'additionner. Et ce qu'on trouve, c'est que dans le monde classique, tous les chemins moins probables s'annihilent. Donc on retrouve le résultat de la physique classique. Mais ce n'était pas vrai au début de l'univers, par exemple. C'est L'univers ça. était très chaud. Où là, on est obligé vraiment de prendre en compte tous les chemins possibles qui s'additionnent. Et c'est comme ça qu'on trouve les vrais résultats. On ne peut pas juste en sélectionner un. La nature, dans l'état quantique, aime effectivement jongler avec ses possibles, ses états possibles, ses chemins possibles, ses processus possibles, avec des probabilités différentes mais qui interagissent les unes avec les autres. C'est très très loin de notre expérience du quotidien. Complètement, On est obligé, nous, complètement. de faire des choix en permanence C'est ça. et on explore à chaque fois un seul itinéraire. On fait des choix en permanence, mais ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'effectivement, j'ai le choix de sortir de ce studio de la manière la plus simple possible, mais il y a une multitude Oui. d'autres possibilités. Oui. Et Juste parce que c'est un point très important que la physique quantique aussi amène en science, c'est l'idée que l'univers n'est pas déterministe. La physique classique nous donnait de l'univers l'image d'une grande machine très bien ordonnée, comme avec des engrenages qui s'entraînent les uns La les autres. causalité, La donc une cause causalité. A donne une conséquence B. Exactement. Donc tel engrenage tourne, on entraîne un autre, et toutes les lois de la nature finalement sont comme une sorte de grande horlogerie dans laquelle il n'y a pas de place pour le libre arbitre, il n'y a pas de place pour le hasard. N'y a C'est pas de déterminé. place pour une cause dans le futur, parce que ça fait partie des choses qui Ben, circulent aussi aujourd'hui, l'idée cette qu'avaient idée les qu'une cause serait dans physiciens, le c'est futur. qu'à partir du moment où on connaîtrait, si on pouvait connaître la totalité de l'état de l'univers, la position et la vitesse de chaque particule, on serait capable, si on était Dieu, on serait capable de savoir comment sera l'univers dans 1 milliard d'années. Il n'y a pas l'idée qu'il puisse y avoir de l'imprévu, qu'il puisse y avoir des bifurcations, qu'il puisse y avoir du hasard. Et donc toute cette idée que l'univers, en fait, utilise beaucoup le hasard, utilise les bifurcations, et que le futur n'est pas écrit, le futur est ouvert, l'univers invente, l'univers crée. C'est quelque chose qui vient avec la physique quantique. Parce que c'est vrai, à chaque processus quantique où on a justement un ensemble d'états possibles, rien ne permet de savoir, en quelque sorte, rien ne permet de savoir quelle pizza la C'est nature va ça. choisir. On ne sait pas d'ailleurs ce qui lui permet de choisir. C'est en quelque sorte son propre choix. Et on a presque l'impression que dans ce monde quantique, en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas une temporalité comme nous, on la ressent. C'est un peu comme si tout se passait en même temps dans un éternel Alors, présent. c'est plus complexe que ça, parce que la physique quantique nous Sûrement. donne deux notions du temps. Non, mais c'est un point fondamental. Ouais. Elle nous donne deux notions du temps. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde quantique, c'est-à-dire dans cet état virtuel, effectivement, on a l'impression que le temps, le sens du temps importe peu. Tant qu'on est dans ce domaine-là où on a les trajectoires qui interfèrent les unes avec les autres et les possibles qui se superposent,
On peut intervertir la flèche du temps. C'est une des choses d'ailleurs qu'a montré aussi Richard Feynman. C'est égal. On a l'impression qu'il n'y a pas de directionnalité du temps. Mais à partir du moment où les phénomènes choisissent, lorsqu'on fait des mesures, et c'est là qu'intervient aussi notre rôle peut-être d'observateur humain, Oui, parce que qu'est-ce qui mesure? on enracine des choix. Et c'est comme une crémaillère. On avance, on ne revient jamais en arrière. Donc là, on arrive dans le monde de la temporalité, dont on fait l'expérience. Et ce qui est très intéressant, c'est que la physique quantique, justement, nous dit, en quelque sorte, il y a un passé, il y a un futur. Parce que le futur est ouvert et le passé, il est acté, en permanence. Quel que soit le processus physique, quel que soit le choix, hein, il y a le passé où, par rapport à un moment de précis, le passé où on a toutes les pizzas possibles, et puis le futur où, à un moment donné, on dit, on a fait notre choix. Il y a une asymétrie à ce niveau-là, qui fait écho à l'asymétrie du temps qu'observaient les physiciens avec le principe de la thermodynamique, l'idée que l'univers, le passé de l'univers n'est pas le même que son futur, parce que enfin, c'est lié à la notion d'information aussi. L'univers va spontanément plutôt de l'ordre vers le désordre, mais en même temps, paradoxalement, la vie apparaît. Enfin, c'est, mais il y a une asymétrie, le passé et le futur ne sont pas le même. La physique quantique nous dit quelque chose du même ordre, à travers le problème de la mesure. Oui, c'est-à-dire que le temps, en fait, se met à exister à partir du moment où il y a la mesure. Parce que sinon, avant, dans la sphère, entre guillemets, où tous les possibles sont encore Si on reste dans cette possibles, infinité de la là, il n'y a pas de matière, temps. C'est un peu comme... le temps est symétrique, le temps n'a pas le même rôle. On peut même dire qu'on ne sait pas très bien quel C'est rôle ça. joue le Parce que temps. moi, dans mon imaginaire, mais mon imaginaire d'artiste, hein, je ne suis pas une scientifique, j'ai vraiment cette sensation que le temps, il existe dans la caverne de Platon. Et que quelque part, je ne dis pas qu'il est illusoire, mais que c'est quelque chose que je construis avec mon cerveau. Et que par contre, si je sortais de la caverne de Platon, dans cette espèce d'infinité des possibles, là, il n'y aurait plus de notion de temps, mais peut-être plus des notions de choses parallèles, d'univers parallèles, de choses qui peuvent se passer exactement en même temps. On ne sait pas. Le On ne temps, sait c'est pas, un oui, on ne sent énorme pas. mystère. On ne sait pas. Personne, et c'est un mystère depuis des milliers d'années. Et il revient sur le devant de la scène avec la physique moderne, parce que la notion de temps que donne la relativité générale, par exemple, n'a rien à voir avec la notion de temps de la physique quantique. En relativité générale, justement, il n'y a pas de différence entre passé et C'est futur, ça, mais la relativité générale n'explique pas ce qu'est l'instant présent. On ne sait pas ce qu'est l'instant présent. Or, l'instant présent est très lié à la conscience. Parce que l'expérience qu'on fait du réel, c'est toujours dans l'instant présent. Donc ça rejoint d'ailleurs le message de certains maîtres spirituels qui insistent sur le fait de vivre l'instant présent et que toute notre vie, en fait, le sens de notre vie doit se faire dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent, Schrödinger le disait aussi d'ailleurs, c'est dans l'instant présent qu'on fait des choix, qu'on fait l'expérience du monde, qu'on se souvient, qu'on projette. C'est toujours dans l'instant présent. Et c'est ça qu'il faut vivre pleinement, en quelque sorte. Peut-être qu'il n'y a que ça. Mais ça n'empêche que le temps en physique est quelque chose qui est bien réel, qui a son rôle à jouer, et que la façon de l'interpréter, on peut arriver sur des philosophies très différentes. Si on nie l'existence du temps, Complètement, comme certains physiciens le font beaucoup aujourd'hui, d'abord on nie d'une certaine manière toujours la réalité de notre conscience qui vit pleinement ce temps présent, et puis on explique, il y a des choses qu'on n'explique pas du tout. Et le temps qui est éclairé par la physique quantique est encore d'une autre. Il y a cette notion que les choses sont indéterminées. Donc on peut les écrire soi-même en tant qu'être humain. On a le libre arbitre avec la physique quantique. On ne l'avait pas avec la physique C'est classique. ça que je trouve fascinant, c'est cette idée que finalement tous les possibles existent et que donc je peux peut-être transformer ma vie Oui, voilà, en convoquant d'autres possibles. exactement. Et notamment la possibilité du miracle. Parce qu'on remet beaucoup en question les miracles. Enfin, voilà, beaucoup de personnes pensent que les miracles n'existent pas, mais est-ce que justement le miracle, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas cette possibilité dans le vide quantique qui était mathématiquement quasiment impossible à atteindre d'un point de vue statistique et qui pourtant se produit? Alors, Alors, qu'est-ce qui fait qu'il se produit? Ça, c'est une question presque spirituelle. Mais sans aller jusqu'au miracle, oui. il y a quelque chose de très important, on va dire une piste, une porte qui s'ouvre avec le constat de la physique quantique que la matière est dans l'indétermination, elle a des choix, et on ne sait pas Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui qu'on fait. Voilà. manifeste telle chose et Tout pas ce qu'on telle sait, autre? c'est comme quand on lance un dé, hein, quand on lance un dé.
il peut arriver sur le 1, sur le 2, sur le 3, il y a six possibilités. Et on ne sait pas ce qui va surgir comme résultat. Tout ce qu'on sait, ça s'appelle la loi des grands nombres, c'est que si on fait un tirage un milliard de fois, on va voir les proportions, puisque les probabilités de chaque face, c'est un sixième. On va voir un sixième de 1, un sixième de... C'est tout ce qu'on peut dire, mais on ne sait jamais à chaque lancée ce qui va arriver. La physique quantique nous dit des choses du même genre. Elle peut calculer des probabilités, mais elle ne peut pas nous dire ce qui va vraiment sortir. C'est un secret qui appartient à la nature. C'est acausal, dans un sens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça ouvre une piste pour comprendre le rôle de notre... le rôle de l'intention, justement. Il y a des expériences qui sont faites en laboratoire depuis un certain temps, hein, depuis déjà les années 70, même avant, 60, qui montrent que par l'intention, l'esprit humain peut influencer les dés. C'est-à-dire qu'on peut sortir d'une statistique où c'est un sixième, pour forcer le 1 à sortir plus souvent. Ça se fait avec, par exemple, des générateurs de nombres aléatoires, qui sont des composants qui génèrent des 1 et des 0, dans les mêmes proportions, de façon totalement aléatoire, et c'est un vrai phénomène aléatoire, parce que c'est un processus quantique qui est à l'origine de ça. Il y a l'expérience, tu la connais sans doute, tu sais, du poussin avec le robot. Le tichoscope, oui. Il y a beaucoup d'expériences, ce genre d'expériences ont été faites en laboratoire par plein de gens. Mais celle-ci est particulièrement parlante. Hein. Oui, parce qu'elle montre qu'en plus, un animal peut... Peut-être qu'il faut rappeler rapidement ce que c'est. Donc, disons que le principe est le même, c'est un générateur de nombres aléatoires, mais les premières expériences de ce genre ont utilisé d'autres processus quantiques, ça a été des sources radioactives, ça a été des phénomènes qui sont indéterminés parce qu'ils sont quantiques. Non, mais pour rappeler, parce que je pense que tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est, donc l'idée c'est que les poussins, en fait, ils prennent pour leur maman le premier objet ou le premier être qu'on leur présente. Oui, ça s'appelle l'imprégnation. C'est ça. S'ils voient quelque chose qui bouge à côté, ils se disent c'est ma maman, donc je veux qu'elle soit près de moi et je veux la suivre. C'est ça. Et donc dans cette expérience, je te laisse raconter. Le poussin, c'est une expérience qui a été faite par un Français, René Péoc. En fait, l'idée c'est que on présente au poussin à sa naissance un petit robot qui bouge. Un nombre aléatoire donc. Bah, au cœur de ce petit robot, il y a un composant aléatoire qui lui fait faire des zigzags sur place. C'est ça. Il n'a aucune raison de se diriger dans une direction plutôt qu'une autre. Il va faire du surplace parce qu'il y a autant de 0 que de 1, pour faire simple. Et ce qui est intéressant, c'est que les poussins qui naissent à proximité de ce petit robot, donc par imprégnation, pensent ou ressentent pensent que c'est leur mère. C'est leur maman. Et donc, si on les éloigne, si on les parque dans un certain nombre d'expériences, le robot va venir vers eux. C'est ça qui est dingue. Alors que si on fait même expérience sans les poussins, le robot fait des zigzags sans changer de... Enfin, en restant dans la statistique. Ouais. Mais l'intention des poussins, semble-t-il, influe sur la statistique. Ouais. Mais cette expérience, on peut la faire très très facilement. Il y a des expériences en ligne sur Internet. N'importe qui peut s'exercer à ça. Ça s'appelle de la micro-psychokinèse. C'est l'idée que, par l'intention, on peut agir sur un phénomène aléatoire. Et les phénomènes quantiques sont des phénomènes aléatoires. Donc, c'est très facile de faire ces expériences avec des processus quantiques. Et là, c'est quand même dingue, parce que par l'intention, le poussin a impacté un robot qui est juste un amas de fer avec des chiffres dedans. Donc, ça prouve la puissance du processus. Ce qui est important à retenir, c'est que l'intention peut agir sur des possibles uniquement parce que le monde à l'échelle quantique comporte de l'aléatoire, de l'indétermination. Et pas seulement forcément à l'échelle quantique, mais disons que sa vraie nature au monde, c'est d'être indéterminé. Il y a des possibles devant nous. C'est ça, ouais. Le futur n'est pas écrit, donc l'intention peut. Et c'est ça qui est génial, et ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne de l'espoir, parce que sinon nous sommes des automates avec une illusion de libre arbitre et de choix, mais en fait nous sommes des automates. C'est un petit peu triste comme vision de la vie et comme vision d'une vie humaine. La physique quantique nous dit non, même pour les particules, la particule a le choix d'une certaine manière. Et l'intention, c'est ça qui est intéressant, c'est que là ça nous connecte finalement à cet invisible qui n'a pas tellement été étudié par la science, qui est la conscience. Dans la conscience, il y a la volonté, il y a l'intention. Il n'y a pas que la perception. Ouais. Et notre volonté proactive peut influencer la matière, pas seulement par des biais que connaissait la physique classique, par exemple
Si je veux prendre cette bouteille d'eau, j'envoie des signaux par les nerfs, dans les muscles de ma main, et voilà. Mais il y a d'autres mécanismes, Ouais, plus c'est directs, fascinant. non locaux, parce que la matière possède aussi Ouais. des choses qui échappent à la causalité. C'est d'une vision matérialiste où le cerveau est une machine, une sorte d'ordinateur qui produit de la pensée, et lui, c'est plutôt l'inverse. C'est l'idée que la pensée n'est pas réductible à la matière, ça ne se trouve nulle part, c'est pas dans l'espace-temps, mais que par l'intention, la conscience pourrait piloter le cerveau. Comme les poussins, ou comme on Exactement, on peut retombe sur... piloter le petit robot parce qu'il y a un générateur dans C'est le... En ça, c'est fait, ça. c'était sa phrase, hein, c'était je pense que le cerveau, et on pourrait même élargir, dire le corps vivant pourrait être le genre de machine qu'une volonté, qu'une conscience pourrait piloter. Donc c'est une vision philosophiquement, on va dire, dualiste, c'est-à-dire qui dit que la conscience n'appartient pas au monde de la matière, mais ça, c'est une piste pour comprendre comment les deux interagissent et peuvent s'ancrer, peuvent interagir. C'est-à-dire que les processus quantiques dans le cerveau pourraient effectivement donner prise, et cette indétermination permettrait à la conscience de venir s'incarner dans le réel, et Génial. entre autres de faire des choix et d'être responsable. Et comme on a un futur qui est chaud à gérer, c'est pas Complètement. mal Oui, oui. de savoir qu'on n'est pas des automates et qu'on a le choix. Oui, c'est vraiment la voie de l'espérance. Et écoute, je te remercie beaucoup, Morvan, d'être venu. Merci Audrey de Tu m'avoir invité. reviendras nous parler de tout ça, Ce sont des beaux des sujets. multivers, ce sont des sujets inépuisables et qui sont tous liés. Donc il y a vraiment matière à faire, je pense, un feuilleton quasiment Merci à toi de sur les aborder. l'invisible. Merci à toi de les Ah, aborder parce que c'est important, je pense. Ce que je retiens à ce stade préliminaire, car nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, c'est que cet invisible comprend entre autres la matière noire, l'énergie noire, les particules élémentaires, les ondes, radiofréquences, les micro-ondes, les ondes infrarouges, les rayons gamma, les rayons X, etc. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais l'invisible contient aussi peut-être des multivers, des idées, des pensées, des émotions. Ainsi, mes émotions, mes pensées ne vivraient pas en autarcie dans ma tête, contrairement à ce que j'ai toujours pensé. Mes idées ne naîtraient pas et ne mourraient pas dans mon cerveau. Elles auraient une vie, elles voyageraient, elles seraient en transit dans mes neurones avant de repartir vers d'autres horizons, d'autres cerveaux, d'autres dimensions. Moi, je trouve cela extraordinaire, car si mes émotions, si mes pensées voyagent vers d'autres espaces-temps, qu'est-ce que cela veut dire? Je finirai avec ce magnifique anagramme d'Étienne Klein et de Jacques Péry-Salco. Écoutez bien. Qu'est-ce que la Terre devant cette vallée supérieure de pétillement d'étoiles? Réponse. Le vide quantique demeure la réelle source de l'espace-temps et de l'univers. Alors qu'est-ce que l'espace-temps? Ce serait cette fameuse quatrième dimension, c'est-à-dire ce que je peux percevoir en état de veille. Ma vie donc, ce que d'aucuns appellent la matière, mon visible, ou plus symboliquement, la caverne de Platon. Mais cette quatrième dimension, cette matière, ce visible, n'est qu'une infime partie du réel, de ce qui existe, de ce cheveu dont parle Aurélien Barreau. Cette quatrième dimension est la manifestation d'une possibilité parmi une infinité de possibilités, ou même selon Everett, elle est un univers parmi tant d'autres, contenu peut-être dans ce mystérieux vide quantique. Je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que la Terre devant cette vallée supérieure de pétillement d'étoiles? Le vide quantique demeure la réelle source de l'espace-temps et de l'univers. Affaire à suivre.